Ok. Mémorial pour tout le monde qui est victime. Dans la nuit qui était mardi 13 novembre 2018, là, un groupe bandit assassin sous commande pouvoir PHTK
entrer dans la saline. Yon nan quartier qui plus pauvre dans capitale là. Et puis massacré plus passé 70 moun. Depuis là, ça tout moun té kwè ton action isolée, rel transformé en yon caravane dans tout pays là. Caravane là moi ça a passé la saline. Kafoufei, Belè, Tokyo, Cité Soleil pour citer ça seulement. Li entre la kay moun la journée pour la nuit. Li pran moun pa grain, li pran moun pa gran. Caravane là moi a gon rigole sans derrière ak yon paquet de pop. Pour femme yo violé, pour yo maspiné, pour yo joine sous pile fatra, pour cochon commencer manger, pour yo pas joine trace. Dès l'année après massacre la saline, nous déjà compté 9 massacres dans quartier populaire Port-au-Prince. Ça qui la cause 306 moun mouri, 55 moun disparaît, 214 ti moun lagé sans maman ni papa et puis 287 moun passé en bas maspinaï. Seulement pour l'année 2020, qui peut pas même fini, il y a 944 personnes qui tombent en bas balle, 124 autres civils kidnapping, viol, à toute qualité mauvais traitement dans mes bandits. Parmi les gens, nous pouvons même compter Maître Montferrier d'Orval, Grégory Saint-Hilaire, Evelyne Saint-Serre. Même semaine, ça, qui peut pas même fini, qui est en l'ISPAL. Pasteur Jean-François et Madame Mitou ont assassiné. Père Ronald Sylvain kidnappé, Juventa, 23 ans, mouri assassiné pour une cité ça seulement pour ces belles. Devant cette criminalité, cette insécurité qui a monté dans le pays, nous-mêmes citoyens engagés qui sont dans le collectif Nous pas dormi, t'es déjà alerté société depuis la date 29 juin à 6 juillet 2020 qui sont passés dans le cadre de deux sit-ins nous avons organisé devant le ministère de la Justice. Pour dénoncer insécurité et banalisation de la vie dans le pays. C'est à gaz, balle, coup de défense machine, à coup de coco paca, agent PNH dans diverses unités qui viennent brutaliser les gens dans la cité. Ça te montre la clé. Jean ça te déjà dit dans divers rapports d'organisation de la vie dans le pays. Massacre, exécution et assassinat systématique ça yo, qui a organisé dans le pays sont série d'états. Qui vise à couper mouvement social et revendicatif qui a demandé compte sous dépense l'argent de l'État, tant que dépense l'argent Petro-Caribe, qui a dénoncé incompétence et crétinisme pour voir PHTK, et puis qui a exigé justice sociale dans le cadre d'un autre système social et politique pour tout le monde capable de vivre dans la paix. Dans la situation malouque pays d'Haïti à vivre dans l'histoire journée aujourd'hui, nous ne pouvons pas demander à société à ne pas mettre de l'eau dans la bouche. Li. Pas prendre un caraponaï, aucun dirigeant qui a une folie dictateur. C'est pour tout le monde, étudiants, élèves, professeurs, militants, professionnels, paix, pasteurs, bougons, mambo, maman, papa, petit, dans tout secteur, tout rapport pays en général, pour celle colonne, pour une croître régiment, là, cela, pour être sans population. Et puis pour une croître toute mauvaise pratique politique qui empêchait la vie bourgeonner dans le pays d'Haïti. Nous pas besoin. Pour qui ça c'est devant PC c'est Office Protection du Citoyen. C'est eux même qui responsable pour protéger citoyen. Jodi a là dans pays d'Haïti, pas gen yon grain citoyen qui senti en sécurité, qui senti gen protection. Pas aucun nan nous même là qui campé, qui senti nous en sécurité. Parce que nous connaît très bien côté nous campé là, la police ka vinn ban gaz, la police ka tire balle réel sur nous et là c'est pas la police, c'est bandi qui nan connaît. C'est maman petite moun ka sous-coutap, sous petit bout de machine, cordonnier, moun kap marcher dans la rue, y a kidnappé petit yo, y a fait exigence combien pile $1000 américains pour yon fait dette, pour jusqu'à ce que yon mouri yon prochain pour payer l'argent que yon pas possédé à payer bandi. Donc c'est devant OPC pour venir parce que c'est yon même qui l'a pour protéger, pour yon prendre responsabilité yon à tout reste pour l'État. Ça qui passe en Haïti, c'est important pour nous comprendre. C'est pas insécurité seulement lié, c'est criminalité organisée. Son série groupe moun qui décide que nous-mêmes, ces petits bétails yon nouye, ces petits cabrites yon nouye, yon met tête choué nous, j'en l'idée. C'est qui différence nous fait entre yon mémorial et yon sit-in? Est-ce que c'est le même mouvement que nous considérons que lié? Non, c'est pas le même mouvement. Yon sit-in son espace côté en pile moun, vina revendication yon seul. Yon mémorial son espace côté côté revendication, mais premier bagay là, on vient recueillir dans mémoire moun qui mourit. Mais moi, ça que nous faisons, c'est dans mémoire tout le monde qui est victime,
sac banditisme dans le pays d'Haïti. Nous faisons aujourd'hui qui célèbre deuxième l'année, alors pardon, ce n'est pas célébré, qui commémore deuxième l'année massacre La Saline, côté que plus passé 70 personnes mourir, il y a des autorités qui étaient dans l'état, tant que du plan avec mon désir, qui ne pouvaient jamais passer devant un juge. Donc nous faisons notre date ça parce que c'était le premier gros vague massacre dans le pays. C'était le premier gros vague assassinat. Sans compter tout l'autre monde que nous ne connaissons pas. Parce que y a des gens qui sont kidnappés par la police, il y a des gens qui mourent au bout des cadavres, nous ne pouvons pas arriver à côté. Espace-là, sur espace protégé, nous sommes capables de voir. Il y a des gens qui viennent le matin déjà passer, qui déposent des bougies, déposer des fleurs. Il y a l'autre monde qui marche à la craie, qui marche à mosso charbon, qui a fait pour marquer nos gens. Que vous voulez recueillir dans la mémoire. Donc, c'est pour l'activité de la grande foule qu'on mémorialise. Son activité, son espace qui crée, côté qu'on parle de mots par rapport à l'assassinat, à la criminalité d'État, criminalité organisée dans vivre dans le pays. Donc, pas de sitin là encore ou bien les... Nous ne sommes pas dans son sitin, nous sommes dans son mémorial. Ok. Merci. Vélina Élisée Charlier. Non. C'est même nous, papa. Bébé, oh. Ok. Dans le pays depuis début 2020. Mais je dis à la rassemblée là, nous montons un petit mémorial en mémoire de tout le monde qui est tombé sous le régime PHTK, comme tout le monde connaît dans le pays là. Et nous avons assisté à un
en une société qui est même totalement ensanglantée, il y a une criminalité d'État qui est même installée dans le pays. Donc nous sommes capables de remarquer que ces bandits qui sont hommes forts dans le pays, c'est eux-mêmes qui modèlent la jeunesse, aujourd'hui, et ils peuvent être très lourds dans la politique du pays. Donc c'est des bagages que nous-mêmes nous élevons nous, et en faux contre bagages ça, en façon pour nous capables de redresser la société, la société a l'autre valeur, en façon pour nous capables de dire et qu'il y ait accès à des nouvelles valeurs. Après, je dis à qui l'autre journée n'a pas pour faire ça. Donc, on a payé là pour paquet de mouvements qui en cours. Et d'ailleurs, soit nous sommes là, nous parlons devant pour supérieur des portes. Je ne connais là, il y a un décret que les corrompus prennent un pays et qui lui-même retire tout pouvoir et pour des commissions indépendantes. Sorti nous sortir dans l'activité de Mouria, oui, et aussi qui nous a fait devant pour des comptes et nous allons rejoindre les groupes qui ont devant pour des comptes. Voilà.